Voilà. Donc tu le vois, effectivement, il est en train de courir sur la passerelle. Et je lui tire dessus. Tu peux, effectivement. Tu peux lui tirer dessus. Hop. Bien, paf. Là, tu le touches. Et... paf. Bim. Ah, voilà. Il y a une, donc une de tes flèches qui le frappe. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit la barre à moitié. Ah oui, on voit qu'il est jaune. On la voit à moitié orange là, on la voit en fait. Oui, bah si j'ai fait exprès en fait. Exprès. Je vous ai mis les barres pour que vous puissiez voir que les créatures sont blessées, leur état de santé quoi. D'accord. Et du coup, c'est à qui ? C'est à moi. Alors, il est mort. Je vais l'enlever. Hein. Ah bah non. Celui-ci, il est où ? Ah bah il s'arrête. On sait qu'il était là. Si on voulait. Tu vois qu'il s'arrête à cause de. Tu vois qu'il s'arrête à cause de la flèche, en fait. Et il se positionne pour te tirer dessus. Ah. Et avec son arc, effectivement, il essaye de te tirer dessus, Tine. Alors, je vais considérer que t'es quand même en abri, parce que c'est pas évident de tirer entre deux emplacements de lucarne, en fait, de donc c'est pas facile. Je vais m'imposer un malus du fait que tu es en abri, allez, partiel. Je sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Si, ça marchait. Malgré le fait que tu sois derrière la baie vitrée éclatée, il arrive à te viser et à tirer une flèche sur toi. Flèche qui atteint sa cible. Malgré qu'il... Enfin, ouais. Malgré que. Bah, j'ai mis un moins 2. Hein. Tu vois, j'ai un non, j'ai non, un mais c'était deux. Plutôt le fait que... il aurait pu ne pas savoir d'où venait la flèche. Tu vois. Il aurait pu avoir un tour de... C'est pas... Mais c'est bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Je peux... Allez... Comme je suis joueur, je vais m'imposer pas un malus, mais je vais me mettre un jet de perception. Si jamais je loupe mon jet de perception... Non, c'est bon. Donc, qui t'a vu et tu t'es pris une flèche. Bon, pas grand-chose, hein, t'as pris 2 points, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et c'est donc... alors, lui, il est mort, je l'enlève, hein. Hop, et c'est à Aram. Aram qui, toujours avec son arc, vise sur celui qui est en train de venir dans votre direction. Alors si j'utilise ça, ça va pas le faire. Ça, c'est mieux. Ah bah si, c'est ça. Longbow, c'est ça. Tire une flèche, il touche. Vous voyez que malgré la flèche qu'il a reçue dans le bras, l'elfe continue d'avancer. Kamikaze. Ouais. Une bombe sur lui. Urde. Tu vois une femme arriver en fait sur la passerelle. Où ça ? Une femme elfe. Derrière, d'accord. Ouais. Et avec son arc, elle essaye de te. Là, tu lui as enlevé son bouclier ? De te tirer dessus avec son arc. T'as perdu ton bouclier elfique finalement ? Putain, okay. Vache. Toi, Urde, tu te cachais pas derrière un. Non, il a pas réussi à l'attraper. Ah, d'accord, pardon, j'ai pas suivi. Il y avait un chat qui m'attaquait. Si on sort, oui, ça fait des morts, sinon. Oh, ça a été pas mal cueilli. Du coup. Je vais dégager. C'est qui ça. Qui joue là ? C'est l'ours ? C'est moi. Je vais dégager ça. Voilà. Ah, il y a un petit escalier. Il y a un petit escalier qui descend dans l'entrepôt. Et vous voyez donc un troisième elfe arrivé avec son arc. Qui vise. Qui tire et qui touche Urde.
Ah, ça va, c'est léger. Par contre, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Tu sens les flèches qui arrivent de partout, là. Tu me transformes au porc épic, là. Croril, à toi. Ouais, je commence à me diriger vers... vers l'elfe. Ouais, pfff. T'as les mecs vachement motivés, quoi. Ouais, bon, pfff. Ouais, là, je viens de faire un triple déplacement, hein, donc... Bah voilà, quoi, c'est tout. Mais je pensais pas que tu y arrivais, quand même. Tu mords. 4, 5, 6, bah un déplacement, et puis... Redoutable sur les courtes distances, Croyle, hein, c'est ça. Non, c'est plus l'endurance, moi, c'est... Ouais. Pose de fond. Ah mince, j'ai mis la truc sur lui. Donc t'as fait un pas de placement. Enfin, une patte de placement. Non, tu déplaces un déplacement. Non, t'as... J'ai fait 6. Ah 6 oui, d'accord. C'est un vrai déplacement. Oh, le pot. Et là, pour ceux qui sont à l'extérieur, Stéphane, il n'y a personne dans la rue à part rue. Hein. J'ai dit, il y avait beaucoup de monde dans cette rue-là. Là où il y a le combat. Et ça réagit pas. Ben, je vais te dire ça après. Yeah. Par curiosité. Je rappelle qu'un round, c'est 6 secondes. Et donc, j'ai fini, là, du coup. En gros, là, il s'est écoulé 18 secondes. Oui, ça va. Bon, c'est surtout la boule de feu, en fait, hein, qui... qui attire l'attention. Qui a attiré l'attention, hein. Oui, ça, c'est... Bah, bravo. Ça, c'est coucou, on est là. C'est ça. Ah oui, la rue est pleine de monde, donc il y a quelques passants, c'est ça. Oui, bon... Pas grave. Accessoires, les effets collatéraux. J'ai plein de monde, tout est relatif, hein, c'est que bon des bon elfes. Hein. Et non, sont un chef de perte chez. Non, il a cru que c'était des paladins alors. Ah bah voilà, bravo. Alors là, ça bouge pas. Là, c'est. Bah, c'est mort. C'est mort ça, ouais. Hop. Là, ça bouge pas. Et c'est un nouveau round avec en premier Timor. Oh bah donc, effectivement, pour ceux qui sont à l'extérieur, donc je parle pour Groril et puis Cagliostro surtout, parce que les autres à l'intérieur ne voient pas trop ce qui se passe, mais vous voyez qu'effectivement, dans la rue principale où vous vous situez, là où il y avait effectivement des manouvriers en train de travailler, etc., les explosions, enfin l'explosion de la porte, puis de la boule de feu, a fait effectivement fait en sorte que ces gens qui étaient dans la rue commencent à se tourner dans la direction de l'entrepôt, dans votre direction. Mais et vous voyez quelques passants vraiment courir, hein, fuir la zone de combat et aller peut-être aller prévenir les gardes ou autres. Enfin bref, pour l'instant vous savez pas trop ce qui se passe, mais il y a des gens qui fuient le quartier des entrepôts. On estime à combien de temps le temps qu'ils aillent chercher des gardes et qu'ils reviennent. 5 minutes, hein. Donc en temps là, 5 minutes, ça fait à peu près alors un tour. 50 rounds. Ouais, à peu près, ouais. C'est à peu près ça. Timor, t'es rentré à l'intérieur. Voilà. Ok. C'est tout. Et il voit peut-être mieux du coup. Il me reste combien de charges sur ma baguette d'invisibilité? Bah, je sais pas, regarde. Je me pose des questions comme ça. Est-ce que tu en avais encore? Ouais, je vais découvrir le plan, mais je vais pas forcément découvrir Bid. Le reste. Bon, parfait. Il me semble que je m'en sors très mal. Si ta baguette est vide, tu peux l'acheter. Hein. Et je peux en garder un souvenir, hein? Tu peux la garder en souvenir, effectivement. Voir taper sur les nains avec. Donc Timor, effectivement, tu vois un peu mieux. Et dans les caisses, etc. Tu vois donc des elfes en hauteur. Il en fait toujours des caisses. Et c'est il est resté là, justement, pour être un petit protégé par les caisses. Ouais. Et tu vois qu'il y en a un qui se dirige vers... celui qui était blessé, en fait, vient vers... Alors, sur la passerelle ici. Et tire sur Timor. Il a une bonne position, bien élevée. Et... bonjour monsieur, bonjour madame. Et hop, il tire. Putain, c'est... OMG. Tiline. Tu vois que Timor est rentré, qu'on est en train de lui tirer dessus. Bah, ça se passe pas comme ça, quoi. Tu sais bien.
Donc il va se prendre un truc lui. Tempête. Enfin, je sais pas quoi, un truc. Je sais pas encore exactement quoi, mais ça va pas aller. Bon, je pense que ça va être bêtement sphère de feu, mais. Par contre, sphère de feu, ça met le feu au reste de ce qui est autour. Ouais, hein. c'est une bonne idée, bravo. Alors, je vous rappelle que vous êtes là pour délivrer un petit gosse. Hein. Vous savez pas où il est, mais bon. Alors, techniquement, sur la passerelle, normalement, ça devrait être. Il aurait pu être derrière les portes. Elle a pas l'air étrange. Ah, sur la passerelle, oui, y a pas de problème. Mais bon, après, elle peut tomber sur des caisses. Vous savez pas ce qu'il y a dans les caisses. Il peut y avoir des choses. Qui c'est qui peut tomber? Au moins, le gamin était pas derrière les portes. Non, mais il peut y avoir, par exemple. Oui, heureusement, des explosifs. De l'huile. De l'huile. Ou. Ouais, mais je sais pas. Ça s'appelle le truc qui. Attends, qui le feu grégeois. Le feu grégeois, voilà. Ben, ça serait dommage, surtout pour elle, de tomber dans du feu grégeois. Donc il a raté sa défense, hein, c'est ça? Son jet de réflexe. Donc il se prend les dégâts. C'est ça. Bien ça, hein. Ouais. Je vais matérialiser notre petite boule de feu. La sphère de feu. Ouais, mais ça. Hein. Alors, elle est où la sphère enflammée? Elle est à la place du cadavre, là. Ouais, c'est là. Je vais la mettre là. Hein. Parce que tu peux la faire bouger, donc. Donc l'elfe qui était en hauteur avec son arc brûle, c'est ça? Et il tombe. Il bascule, en fait, devant Timor, comme ça. Bah, il tombe au sol. Complètement cramé, carbonisé. En criant. On sait qu'en se jetant, il allait éteindre les flammes, mais non. Donc qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah rien, je peux rien faire d'autre. Eh ben vas-y, parce que j'ai lancé mon sort. Pardon. J'ai oublié, j'étais en train de regarder la durée de la sphère de feu, je me rappelle plus, mais je vais continuer. Hop, voilà. Alors. Un round par niveau, je pense. Pardon? Pas un round par niveau. Ah oui, ça doit être marqué en rouge. Bah du coup. Celle-là, je vais la. Un round par niveau. 1, 2. 3, et on est level 7, 7 hein, 5, je crois, c'est ça? 6, 7, ouais. 7, 8. Alors je la. Ah, c'est pas celle-là, merde. Ok, c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est celle-là? J'ai perdu un PNJ. Ah bah c'est dommage. Hein. Elle est où? Ah oui, d'accord, ok. Bah non, je vois pas, elle est où? Ah oui, d'accord. Il y en a un là, je vais le pousser, sinon c'est de la merde. Mais. Ah oui, il est là, d'accord, je voyais pas. Urde. Tu te reprends une autre flèche. Ah, tu la prends. Tu la prends dans le. Oui. Tu la prends dans le bras. La prends dans le houille. Hein. Aïe. Voilà. Qui c'est qui pique? Qui c'est qui me pique? Il faudrait que tu te bouges de la porte, hein, je crois. Ouais. Parce que d'ailleurs, ça continue de tirer sur toi, Urd. Ça touche d'ailleurs. Une deuxième flèche dans le bras. Aïe. Cagliostro. Cagliostro, il fait 3 et 3, 6, c'est 3, 6, puis il arrive derrière derrière Timor. Ok. Celui-ci est mort, je l'enlève. Ça me permettra de. Esta Urde. Ok. T'entends pas fort, David. Non, mais réfléchis. Réfléchis, c'est pour ça, Urde. Ça fait beaucoup de bruit. Pas facile, là. C'est Urde qui réfléchit. Hein. C'est bruyant, la réflexion. Ah oui, oui. Urde, pareil, pas facile.
Alors que faire? Que faire? Taper ou taper? Sinon il s'entend pas penser. Donc tu frappes avec ta hache à deux mains sur l'elfe. Ouais. Ah bah là c'est bon. Tu viens de l'encastrer dans le mur avec ta hache et voilà. Tu fais une fissure dans le mur. Et c'est à moi, mais je suis mort. Donc j'enlève. Celui-ci. Ah bah c'est moi, mais je suis encore mort. Alors, Tiline, tu vas donc courir. Tiline ? Je vois un gars arriver. Ouais, il a débouché d'où lui ? Il a déboulé en fait, il était dans ton angle mort, il était par là en fait. Ah, il est en dessous de ça. Et en fait, il est arrivé ici. Ah, là. Et du coup, tu le vois, mais il s'intéresse pas du tout à toi. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, il va se mettre ici et il va frapper sur, sur Timon. Mais quelle vitesse! Il frappe de son épée Timor. Super. Il sait qu'il y a une boule de feu juste à côté, lui. Il l'a vu. Et sur mon deuxième tour. Il aura peut-être de la foudre, quoi. C'est un Croryl. Non, mais ça va faire de la chair à pâté pour Croryl. Je fais un double déplacement, hein, puis voilà. Ah! Il y a un elfe à côté de toi qui est sur mes fito. Oui, et puis il y en a un derrière. Derrière. Hein? Bah sur l'autre côté. Mais où ça, Kaliostrode? J'ai un elfe sur mon côté, ouais. Et un nain derrière lui. Et un nain sur l'autre côté. Ah, un nain. D'accord. Alors c'est à Aram qui court. Mais t'as compris quoi? Un autre elfe. Il y a flanking. Voilà. Aram court. Ouais, Aram court et il vient se positionner là. Il démarre doucement. En courant, il redégaine son épée et il frappe. Il n'y a plus de porte, hein. Tout est, voilà. Non. Il n'y a même plus de mur. Hein. Et du coup, du coup, il frappe. Il a tenaille lui, par contre. Ouais, il a tenaille. Il frappe avec son épée. Ah oh ben, ça miss. Nino alors. Nino alors. Bah elle a collé au basque de notre ami. Hop. Au cas où. Et où. J'assure. Ok, c'est lequel celui-là. Ah oui, bah il est mort. Alors hop. C'est une bonne question là. Est-ce que ton inspiration vaillante arrive à nos oreilles? Une question de oui en fait, on t'entend toujours chanter. Tu m'entends? Oui, donc oui. Et tu tapes, ça t'avance. Non, c'est pas là. Nouveau round, et cette fois-ci, c'est à moi. Eh bien. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Il se recule sur la passerelle et il commence à tirer sur le devant de l'entrepôt. Donc, je rappelle, je suis en hauteur, hein, donc je vois vraiment bien tout le monde. Grosse poule de foin. T'es très haut ou c'est à combien la hauteur? 4 mètres à peu près. 4 mètres, ouais. Et effectivement, je tire sur Timor. C'est la chose que je vois en premier. Hein, c'est cette grosse créature. C'est pas suffisant. Tac, c'est lequel ça? Je suis où? 4. Ouais, c'est où lui? Celui qui a le coureur fou là, le mec super rapide. Ah oui, celui-là. Et du coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois 4 personnes, je suis tout seul. Ouais, je romps au combat. Donc, t'es celui qui allait comme un fou, hein. Je romps mon combat, je fais une fuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va vers l'escalier. Il faut en effet soit me voir, soit m'entendre.
À te voir, suffit. Mm. Bah, vous suivant la représentation que je fais, donc moi là je danse. Ouais. Tu danses et tu chantes. Alors, bah, celui-là est mort. Ça t'inspire. Calliostro, ça toi. Et... Oh, alors voilà. Voilà. 1, 2, 3. J'insiste à mettre là, comme ça, derrière la caisse. Et je vois toujours lui. Et lui, il va se manger. Qu'est-ce qu'on lui fait, lui? Oh, une petite immolation spontanée, ça faisait longtemps. Un petit se dessus, alors il devient tout petit. Ah, par contre, j'ai un lien, c'est tout ce que j'ai comme description. Ok, il faut déjà que je le vise. Merde, je l'ai en... Quoi, ça, c'est du 2. Ok. Alors, première, c'est une attaque. Ça, ça n'a pas marché. Pointe le doigt, etc. Il subit parce qu'il n'y a pas d'attaque. D'accord. Je pointe le doigt, il subit 3d6 de points de dégâts de feu. Et il doit faire un jet de vigueur de moitié. Ah oui, c'est que en réflexe. En sauvegarde, je veux dire. Tu peux me le faire faire ou tu... Oui, oui, non, j'ai les choses. Eh ben, c'est une failure. Donc il a arrêté. Donc il loupe. Donc il a les 3d6. Ouf. Je pense qu'il va vite... va vite tomber, lui. Ensuite, à chaque round, lorsque c'est le tour du personnage, il aura encore un jet de réflexe. De réflexe cette fois-ci pour savoir s'il s'enflamme et il se prend un D6. D'accord. Donc là, là je passe. Okay.